べての性能が一線を越えた。もっと好奇心。NEC のパソコン、PC8800 シリーズ。ビッグチャンスのハロー C&C 祭り。Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je vous retrouve juste pour une toute petite vidéo information tips pour les très nombreuses personnes qui, comme moi en France, ont un PC 8801 MK2SR de NEC. C'est-à-dire, c'est un ordinateur rétro 8 bits japonais exclusif qui a vu le début de nombreuses séries très connues du jeu vidéo, comme la série Is qui a commencé sur cet ordinateur. Il y a aussi eu des jeux de HAL Laboratory, de Nintendo, les Mario, Super Mario Bros. Ou Golf, tout ça, ont été adaptés par Hudson Soft sur cette machine. Et elle est agencée autour d'un Z80 comme processeur. C'est le processeur qui s'occupait de la gestion de l'information du son, en fait, hein, sur la Mega Drive ou sur la Neo Geo, par exemple. Et alors voilà ce qui s'est passé. Je l'ai acheté sur Yahoo Japan Auctions il y a peut-être 6 mois maintenant, quelque chose comme ça, aux enchères pour une quarantaine d'euros. Alors il était fourni avec son moniteur d'origine. Bon, il a quelques défauts, c'est-à-dire il n'avait pas d'emballage, il n'avait pas cette petite trappe en dessous là qui cache des switches. Et un des lecteurs 5 pouces 1 quart avait été remplacé par l'ancien possesseur de l'ordinateur pour en mettre un qui fonctionnait à la place de celui d'origine. Donc il n'a pas forcément vieilli de la même façon. Et il fonctionnait, c'est-à-dire qu'il était montré en publicité sur l'annonce avec une disquette 5 pouces 1 quart copiée avec Wizardry dessus. Alors, vous pouvez me faire confiance, il a essayé d'écrire Wizardry en Romaji là. Bon, par contre, je peux pas le lancer moi parce qu'il n'était pas vendu avec un clavier. Il arrive par la poste. Et donc, j'avais fait une vidéo où je le nettoyais, cet ordinateur à réception, mais je l'avais pas encore branché parce que j'avais pas le câble électrique pour pouvoir brancher l'ordinateur sur une prise japonaise à mon transformateur 220 vers 110 volts. Donc, l'ayant reçu, je le branche. Et puis, qu'est-ce que je vois à l'écran? Juste ça, en fait. Donc, je dis, mais attends, c'est quoi? C'est l'écran qui a pris un coup? Non, il paraît intact de tous les côtés. Derrière, il y a une seule molette, derrière l'écran, qui permet de régler uniquement la hauteur de l'image, mais rien d'autre. Parce que je me suis dit des fois que ce soit un truc d'image qui soit en overscan, qui dépasse... De l'écran, quoi. Peut-être qu'en modifiant ça fonctionnera, mais non. J'ai aussi essayé de brancher l'écran, l'ordinateur par une deuxième sortie qui se connecte à un moniteur comme celui du Sharp X1. D'ailleurs, c'est une sortie qui sort du RGB digital, numérique, et pas du RGB analogique comme avec une Péritel. Ça fonctionnait pas non plus. Et donc après, je me suis dit, mais écoute, peut-être ça vient d'un autre réglage à faire sur le PC 88. Parce qu'en effet, si on regarde en bas, il y a toute une ribambelle de deep switches, de ces petits interrupteurs qui servent à modifier des paramètres dans l'ordinateur. Et on va essayer de regarder. Bah, par exemple, ici, là, à droite, vous voyez qu'il y en a un qui s'appelle CRT. Ben là, il faut carrément bouger des jumpers pour modifier des modes de résolution de l'écran. Mais là, en fait, le truc à régler, c'est ici, sur les switches 1, sur toute cette première rangée là à gauche. Ben en fait, le dernier à droite, qui est le switch, on va essayer de se mettre comme ça, parce que même comme ça, on voit pas. Le switch numéro 8, le dernier à droite, c'est tellement petit, il faut vraiment le faire avec l'ongle. Voilà, on va le basculer en haut comme ça. Et là, ça permet de passer en fait. Allô. Voilà. Ça permet de passer en fait du mode 24 kHz au mode 15 kHz pour le rafraîchissement de l'écran. Et donc à présent, si j'appuie sur le bouton reset, voilà, ça marche maintenant.
Et donc ça, c'est l'écran de démarrage d'un PC 8801. Donc voilà, je suis vraiment content que j'ai pas reçu une brebis galeuse là venant du Japon. Parce que je comprenais pas quoi pourquoi sur l'annonce c'était le jeu tournait quoi, il y avait pas de problème, puis là je reçois un truc qui fonctionne pas. Mais c'est pas sympa d'avoir modifié la position d'un des switches en bas là pour après me faire galérer quoi. Bon, j'ai cherché pendant un quart d'heure sur Google et j'ai vu un blog d'un japonais qui s'intéresse à la machine, qui a recensé toutes les positions à quoi elle servait pour tous les PC 8801, pas que ce modèle-là. Et l'avantage de ce modèle, eh ben, c'est d'avoir une source, une carte son FM en fait à l'intérieur, donc avec des sons qui vont ressembler un petit peu à de la Mega Drive, quoi, pour une époque qui est bien antérieure. Hein. Je crois que cet ordinateur est sorti en 84 environ, quoi. Donc voilà, très pressé de recevoir le clavier pour vous montrer à quoi ça va ressembler cette machine. Allez, ciao! PC8801 MA-FA 新発売。 NEC!